C'est Noël, c'est... Amis du jour, bonjour. Oh là là, les belles trottinettes, ça fait rêver. Hein. Nous sommes le 27, dimanche 27. Il y en a des belles trottinettes. Hein. Oh là là. Des trottinettes électriques. Alors moi, je voudrais bien que le Père Noël passe. Mais malheureusement, j'ai passé l'âge. Des beaux vélos électriques. 600 ouais, pour vélo électrique, un giro-roue, un giro-roue. Hier j'étais dans les manifs et aujourd'hui je suis rentré là dans un grand magasin de disques et de... On va pas faire de la pub, mais bon, vous verrez sûrement les étiquettes. Et ça surprend quand j'ai vu tous les cadeaux dans l'entrée. Les papiers cadeaux. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Des drones. Oh là là. Pour les gens qui voyagent, les youtubeurs voyageurs. Oh là là, 1300 euros ce petit-là. 1900 euros! Incroyable! Allez, non? Des fois, ils peuvent se prendre dans une ligne à haute tension ou dans un arbre. Ça fait mal à la tête, tenter à prendre une assurance. Hein. C'est le way, c'est le way. On va regarder les ordinateurs. Merci! Oui. Il y a la queue. Il faut faire la queue pour avoir un vendeur. Non, non, c'est ma madame. Pardon. Il y a le plein là, ça y est, c'est Noël. Hein. Ça fait déjà un mois et demi que c'est Noël. Hein. Un mois et demi déjà? Oh bah non, j'arrive. Moi je travaille tous les jours, c'est pour ça. Allez, bon courage. Un mois et demi déjà que c'est Noël, le monsieur me dit. On est le 27 novembre. Il y en a qui disent qu'on va crever de faim, je sais pas. On sait pas qui c'est qu'il faut, qui faut croire. Hein. Mais on sait rien. Regardez les caisses, c'est plein. Oh là là. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Donc là, on est au livre. On va aller voir les disques. Ah, Lego, c'est indémodable pour les enfants. Ça coûte cher. Moi, je me rappelle mon môme quand il prenait des... il faisait du Lego. Oh là là. Regardez ça. C'est plein à craquer. Puis ça se mange pas. Hein. Non, non, ça se mange pas. Non, non, ça se mange pas. Ah, ça, c'est bon, ça. La résistance. Des cadeaux de Noël. Résistance. Les conseils. La résistance en action. La rue militante, 30 ans d'affiches de combat. Propaganda. Ça, on connaît aussi. Des fois, c'est pas mal dans les livres, ça parle des fois. C'est ici les livres maintenant? C'était ouais. Pas là les livres avant? Non, ils démarrent par les romans. Ah, ils ont les romans, t'en as au moins. Si, ici, rien. Mais d'avant, c'était les disques ici, les CD. Ils sont où les CD maintenant? Ah, ils sont dans le dos. Oh là là. Incroyable. Là, par contre, il n'y a pas beaucoup de monde au livre, c'est marrant. Non, mais ils ont restreint et ça soit avec des questions maintenant. Les fossoyeurs. Accusés, levez-vous. Jean-Yves Le Borgne. Eh, regarde, c'est... Jean-Yves Le Borgne. Accusés, levez-vous. Il voit bien, il va bien voir ton dossier.
Fait divers. Charlie Hebdo. L'homme sans compteur. La révolution du métaverse. Il n'y a pas un livre sur l'ordre mondial? Tout ce côté-là. C'est quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Tous les pifomètres. Ah bon? Attends, je vais les filmer. Valérie dit qu'il y a des livres aussi un peu. Cyberattaque. Les citoyens ont le droit de savoir. Ah bon? On peut pas tout dire. On ne nous dit pas tout. C'est connu ce bouquin, La fabrique du crétin. La grande et petite histoire. Voilà, donc. On continue. La Russie. Des idées de cadeaux, hein. C'est des idées de cadeaux. Parole d'honneur. Mais c'est un complot. Ça fait plein de titres de vidéos, ça. Mais c'est un complot. Ah, lui, il est connu, lui. Entrer dans l'histoire. Stéphane Baer. Ah, elle est là, elle aussi. Winston Churchill. Tiens, il y a les best-sellers. Donc celui qui est le plus vendu en ce moment, c'est La France coloniale, numéro 1. Numéro 2, Simone Veil, Seul l'espoir apaise la douleur. Ah lui, à Noël, il les vend toujours bien, lui. Laurent Deutz, Entrer dans l'histoire. Et 3, Pompidou, Franck Olivier Gisbert, La belle époque. Après, on pense ce qu'on veut. Hein. Yves Jobic, Les secrets de l'anti-gang. Quand l'histoire fait date. Spéciale opération du premier RPIMA. Oh. La question qu'il faut se poser, est-ce que ça réveille ou ça endort tous ces livres? Je ne sais pas. Parole d'honneur. L'espionnage à nos jours. 23 portraits d'agents secrets. Ça, c'est intéressant. Ah tiens, écoutez celle-là. Je vais mettre mes lunettes. Bon, il y a des gens qui restent jusqu'au bout, il y en a d'autres. S'ils n'aiment pas les livres. Toujours intéressant. Alors on y va. Héros ou traite, lanceur d'alerte, fin stratège ou manipulateur, les espions suscitent bien des fantasmes qui sont ces hommes et ces femmes de l'ombre qui, pour une information clé, un secret dévoilé, influencent ou bouleversent le cours de l'histoire au péril de leur vie. Le nouveau livre de Dominique Lormier est une plongée dans le monde fascinant du renseignement CIA, DGSE, KGB.
de Hans-Illo Schmidt qui a défié la Gestapo en déchiffrant les codes secrets nazis à Richard Sorg, l'espion qui a sauvé Moscou. L'auteur dresse un panorama inédit des grandes figures de l'espionnage du XXe siècle à nos jours. Incroyable destinée placée sous le signe du danger de la dissimulation. Dominique Lormier, historien et écrivain, membre de l'Institut Jean Moulin, prix de la Légion d'honneur et considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Il est l'auteur d'une centaine d'ouvrages dont les nouvelles histoires extraordinaires de la Résistance et les grandes affaires de la Libération publiées aux éditions Alizio. Voilà. Alizio Histoire. Et Bédéno. Il est là. Je vais le remettre à sa place. Dans le temps, souvent avec Valérie, on venait jeter un coup d'œil, regarder les livres. Mais bon, après t'achètes le livre, puis après t'as pas le temps de le lire. Faut avoir le temps. On peut pas tout faire. Voilà, on va aller voir ailleurs. On va aller voir les CD. Voilà. Alors là, il y a le meilleur disque vendu. C'est L'Emprise. Le 2. Patrick ! Patrick ! Ça, c'est le 2. Ah, Kenji Girac, j'aime bien. Kenji Girac. Le 3. Storm Survive. Louise Attack, 5. M. Pokora, le 6. Corsu. Ah, c'est des chansons corse. Ah, c'est pas mal, ça. Nouveauté. Les plus belles chansons corse interprétées en duo. Ouais. 7. Cadeau de Noël. Les cadeaux de Noël. Ah, bon, elle est en tête de gondole. Patrick! Voilà, donc après il y en a, ils achètent puis le problème c'est qu'après des fois on va les retrouver sur le bon coin, vous savez, où... le lendemain après vous les avez moitié prix sur le bon coin ou sur mais c'est comme ça. Jean Gabin, voilà. Quand on est invité pour les fêtes, il faut pas venir les mains vides. Les Bodins, c'est rigolo. Ouais. 30 euros quand même, hein. Deux petits machins là. Et bing. Et ben dis donc. Voilà. Puis sinon, il y a les paillassons. Les paillassons. Parce que ça fait là, mais maintenant ils vendent des paillassons. Je cherche Valérie. Elle est partie où ? C'est Noël. La jeunesse. Et les charrettes. Il y a de la charrette, hein, madame ? Oui. Ça, elle est oui. Hein. Bon, dis donc, les charrettes, il y en a. Hein. Les wagonnets. Il y a de la crise ou ça se vend pareil qu'avant ? Comment ? C'est, ça se vend comme avant ou il y a de la baisse ou par rapport à les dernières Noël ? Pareil ? Ouais, c'est kiff-kiff. Kiff-kiff, quoi. Ouais. Je vois autant de charrettes que l'année dernière en tout cas. Hein. C'est, ouais. Et bon. Vu que je suis à l'école, j'ai pas le temps de les faire. Ah oui, vous êtes étudiante. Ah oui. Voilà. Bah, bon courage, mademoiselle. Kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Voilà, elle a dit c'est kiff-kiff. Kiff-kiff bourrico. Regardez la queue aux caisses. Oh putain, ça fait l'escargot. Ça fait l'escargot. Voilà. Bon ben voilà. Hein. C'était un petit aperçu de ceux qui, pour ceux qui sont dans la France profonde ou d'ailleurs qui. Bah, de toute façon, il y en a beaucoup, on a plus d'oseille hein, pour consommer comme ça. Donc. Ça fait ça. Des fois, ceux qui travaillent avant, qui sont en retraite avec une petite retraite, ils peuvent pas aller consommer comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà.
J'aurais voulu aller voir les ordinateurs, mais les Mac. Les Mac. Le prix des Mac. Les Mac. Ah là, voilà, MacBook Air. Voilà, c'est ça. C'est ça, on va finir là-dessus. Celui-là, 1200. 1500. Le plus cher, c'est où le plus cher? 2500. Il est beau celui-là. Ouh là là. C'est le maximum 2005. Celui-là, dis donc. Moi qui regarde tout le temps mon smartphone, on se bousille les yeux là, là-dessus. Regardez ça. Ah, mais bon. MacBook. Oh là là, non, 3800 celui-là. Oh là là, 3800. Le MacBook Pro 16. Eh ben, dis donc. On va faire une lettre au Père Noël. Chers adhérents, chers clients, pour votre confort et afin de limiter l'attente en caisse, nous vous invitons à régler vos achats en carte bancaire, auprès de nos vendeurs, en rayon, ou sur les trois derniers. Et ben voilà. Combien de minutes?